Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Hypnotic Mark et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte de nouveaux jeux. On est sur Battletoads. Je voulais le faire en début de live, mais finalement, il n'était pas synchronisé. Mais dans tous les cas, on est sur la découverte de Battletoads. On sera sur la version Xbox One, comme vous le voyez, et de US Assassin's Creed Decision de CFL Video Game. Yeah, I know. It's sad. We don't have CFL Video Game. Bref, c'est parti, on va découvrir le jeu, on peut se mettre en tétard, en crapaud, en Battletoads, on va se mettre en crapaud bien entendu. Parce qu'on y a jamais joué à Battletoads, et ce sera une petite découverte avant de se lancer. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, vous le voyez qu'on a 3 personnages. On a le Battletoads normal, on a celui-ci, on a celui-là, moi je vais prendre le personnage bien entendu, bien normal. Allez c'est parti, on sera le seul. Vous pouvez jouer en coop pour tout, le jeu est disponible également dans le Game Pass, sans frais supplémentaires pour ceux qui sont déjà abonné au Game Pass. Voilà tout, petit jeu hein, édité par le Microsoft Game Studios. Et j'avais envie de le découvrir avec vous, c'est vraiment mon genre de jeu, je suis maniaque, j'ai adoré Street of Rage 4, j'en ai pas fait de vidéo je crois, mais j'ai adoré là, c'était vraiment cool. Là. C'est chouette d'être méchant, un repère super classe et Overboard qui déchire. Et personne ne pourrait me dire de mettre un t-shirt. Oh non, voilà les très célèbres Battletoads avec le chef Zitz, Pimple, le costaud et Rash, celui qui a des lunettes noires. Et il l'embrasse comme un dieu. Assez parlé, c'est l'heure de... Pourquoi tu m'embrasserais comme un dieu? Pourquoi tu t'embarrasserais comme un dieu? Voilà, donc il y a l'humour, vous allez voir, c'est un jeu... c'est sûr qu'on passe de Madden NFL à ça, ça fait un peu étrange. Hein. Bien entendu, ceux qui écoutent cette vidéo, ben, je suis en cours de... Et voilà à quoi ressemble le jeu, là. Hop. D'accord. On a ça. On essaie d'avoir un petit peu les... Hop. Voilà. Allez, vous voyez, c'est un jeu très 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 collé. Je trouve les animations extrêmement jolies. Comment tu peux faire XB quoi? Alors, on va essayer de faire les plus gros combos là. Et voilà. D'accord, on peut voir. Le jeu est vraiment joli pour vrai. C'est très très beau là. Donc, c'est un peu des binémals là si vous connaissez pas le jeu. Là, on a du tout vert. Alors, si un ennemi bloque tes attaques, charge, je baigne. D'accord. Je peux plus connaître comme ça là. D'accord, on a un gros point. J'essaie de voir un petit peu les touches là, les différents combos qu'on peut faire. Esquive, RT. Ah d'accord. Ah faut que je réussisse à faire des RT là. C'est quoi ça? Ah je peux le récupérer, je sais pas c'est quoi. Alors des collectibles ou des trucs comme ça. Ah y'a les petites mouches, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi les petites mouches? Ah, notre personnage est mort, c'est pour ça? D'accord, et vous voyez que les personnages ne s'affrontent pas pareil, là. On a les petites mouches, je sais pas ce que c'est. Alors, LT plus Y pour attraper des mouches. D'accord, et qu'est-ce que ça fait, les mouches? D'accord, et si je reprends Rash? Alors si je reprends Zitz. D'accord, Zitz c'est lui le capitaine, d'accord. Je savais pas c'est lui. Bonjour à toi Crazy. Il y a un petit emote Stitch.
D'accord, on a un boss. Le jeu est assez court, on le terminera pas aujourd'hui, mais on pourrait le terminer en quelques lives. Là. Rejoins ma bande où je vous tue, vous aurez de bons salaires, la couverture des soins dentaires et le congé de paternité. On verra bien là, moi je vais reprendre H là. Ah ouais d'accord, ils peuvent les boss peuvent nous enchaîner là. Ça c'est bon à savoir là. D'accord, lui il a son combo là. Voilà, on continue d'attaquer là. Oh non, je l'ai raté. On a trois personnages toujours là, un petit peu comme le jeu des Tortues Ninja que Turtle in Time sur Switch. Ah ouais, lui il a l'air de frapper très très puissamment, mais vous voyez que là c'est... Je veux savoir, est-ce que ça augmente ma vie là? C'est tout ce que je veux savoir là. Et il va pas vite non plus. D'accord, j'ai un petit peu de mal avec Pimpol. Ça c'est bon à savoir là. Juste savoir. Non, non, enlève-toi! Aussitôt qu'on enchaîne les combos, on n'est pas capable. Hein. Et là, je suis pas capable de prendre une simple mouche là. Mais. Je suis sûr que les mouches ont de la vie là. Ah, je l'ai assumé. Qu'il va falloir attendre. Alors voyons, hein, alors voyons. Is that it? Guess so. Look, an instantly gratifying victory ceremony. D'accord, on a terminé. Alors, talent ne sert pas à collecter, attire un ennemi. Ah, ça c'est cool. Il y avait moyen de faire pas mal de combos là ici. Ah ouais, j'ai enchaîné les combos là. Oh non, il m'a touché alors que j'avais un combo de 49. Hein. C'était la première fois que je faisais un combo si haut. D'accord, j'ai pas l'air de pouvoir prendre autre chose. On va regarder. Ah, il est de retour. Hein. Mais ouais, je m'en doutais que t'allais revenir. Hein.
Bubblegum Pig just won't quit. Ouais, j'imagine en plus qu'il y aura pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais ça va être dur à éviter là. Je sais là, mais c'est pas facile à éviter là. Ah non, c'est vraiment pas facile à éviter là. Ouais, c'est vraiment pas facile à éviter là. C'est vraiment pas facile à éviter. Il a l'air de frapper plus fort, je sais pas si vraiment il fait plus de dégâts. Ça semble pas être le cas là. Bon, il est pratiquement à la moitié de vie avec cette séquence là. On a fait une très très belle séquence là. Il va repartir, c'est ça? Il va repartir, c'est ce que vous allez me dire? A plus, bah à plus, hein. What is that pig's problem? Ah, il part tout le temps, je sais pas c'est quoi son problème, là. Nice one. Mais les mouches, je sais pas à quoi ils servent, là. Ah, c'est Y! Ah, elle monte la vie, c'est bien ce que je croyais, là. C'est Y, les gens. Ah là là. Voilà, si j'appuie pas sur le bon... Changement d'équipier. Ouais, ça je l'ai vu. Ah, tu peux faire des crapons. D'accord, tu peux faire des. D'accord, on peut faire des combos. Changer d'équipier. Ça c'est bon à savoir là. Ah oui, on peut faire des combos là. Ah ouais, c'est classe. Il veut quoi lui? Aïe! C'est ça? Ah lui il est assez violent là. Oh, je peux faire A, je peux faire B. Est-ce que je peux faire un... Ah oui, ça c'était beau ça. Ah ouais, c'est pas facile là ce combo là. Il y a des ennemis qui font pas mal mal là. Oh lui il est cool là. Y'a pas un pouvoir spécial, on a deux petites boules roses, est-ce que ça serait pas... Ça serait cool là que ce soit pour... Varier les attaques et éviter hits. Varier les attaques de tous les crapauds, d'accord. Hein. Ouais, faudrait que j'arrête de meurtre comme un imbécile là. Là, j'utilise plus souvent mon esquive au final. Là. Oh oui, c'était beau ça. Oh oui, dans les airs. Ah le gros, il frappe fort, mais je suis pas son plus grand adepte. Je suis pas son plus grand adepte, clairement pas. Je suis clairement pas son plus grand adepte. Là. D'accord, on en avait juste manqué un au final. Je sais pas si on approche la fin. Mais... J'imagine que oui, on va sans doute revoir. Voilà ce que j'allais dire, le gros tas. Jamais 203. Ouais, j'avais bien deviné. Hein. Give up, Porkshank. There's three of us and only one of you. Oh, il est sérieux, quoi. Well, there's still three of us. Il est en train de pouvoir se frapper, hein.
D'accord, y'en a un qui utilise. Ah, j'ai pas réussi à l'éviter là. Ah, faut que je m'en débarrasse d'un parce que sinon ça va être trop difficile là. Ah, faut voir, je me débarrasse le plus rapidement possible d'un des deux. Ça avait l'air d'être bel et bien le rose là. Allez, on va essayer de s'éliminer du premier qu'on a affronté là. Allez, évite là, évite, évite. Imbécile là. Bon voilà, on a terminé lui. Là on va attaquer lui là. Allez. D'accord, on peut pas l'éviter en étant là. I don't think he's coming back this time. Oh, well, sucks to be him. On with the celebration! Now fly! I forgot we could fly. Yep. Everyone loves us. And now we can fly! The universe revolves! Chant with me! We are God! We are God! What the? Tony, cut the work! There's friggin' frogs in here! Who is this guy? Hang tight, frogs. We're gonna get you out of that bunker. Bunker? We are gods! We are... No. No, not this time. Just me. Fine. Hey, c'est parti! C'est parti. Bon, ben, c'est cool quand même. Tiens, niveau A, on gagne des succès. C'est cool. On va continuer un petit peu, hein. Ne vous inquiétez pas, on va peut-être s'arrêter un petit peu plus tôt. On va peut-être aller sur 21 Jump Kick à 20h. Voilà quoi. Ah! Attendez, on a eu le succès là. On va quand même là. Bonjour Sketchy, ça va? Dis donc, pour une dernière section de jeu avant tes vacances, t'aurais pu venir au Comico. Je viens! Je viens à 20h de la France, Sketchy. À 20h de la France, je viens. Là, on est sur Battle Toads. Pourquoi on a plus de français là? On va passer là. On a plus de français là. 4000 offres d'emploi, entretien à venir. Oh, c'est quand même violent là. C'est quand même violent. Mais what the fuck, c'est quoi ce mini-jeu là? Mais qu'est-ce que c'est? Eh oui, hommage au commissaire. Ah, exactement. Mais c'est quoi ce mini-jeu là? Quelqu'un m'explique ou... Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je serai là aussi. Ah, cool! Ah, c'est comme ça qu'on répare un ordinateur, là. Si j'avais posé la question. Moi, je pensais que c'était comme Suite of Rage, là, qu'il y avait juste des... J'ai tellement de notifications, les gens.
C'est quoi ce jeu tout court? Bah c'est un jeu, c'est un hack and slash. Non, c'est un beat'em all. Slash hack and slash, comme Turtle in Time, comme Street of Rage 4. Mais il y a un mini-jeu dedans, il semblerait. Je sais pas combien de temps, on disait un jeu Sega s'il y avait un temps. Ah, je suis pas sûr qu'il y avait des jeux Sega si beaux que ça. Hein. Il est très joli, quoi. Mais oui, c'est un peu étrange, là. Bah écoute, c'est un mini niveau. Petite référence à Sea of Thieves là. Scène terminée, d'accord. C'est étrange. Pas sûr d'avoir compris là. D'accord, donc les... Attendez là. Indicateur de joint, avertissement des ennemis, sous-titres avec là. Ah ben voilà. On va poursuivre un peu l'histoire. Knock knock. Oh, it's just Rash wearing a diaper. I solved it! Solve what? Come in, brothers. Are we brothers? We never talk about it. Doesn't matter. Take a seat, I'll stand. No, no, no. You stand, I'll sit. Everyone stand. Listen, I've been up all night mimicking the methods of TV detectives. Tracking, triangulating, enhance, enhance, enhance. And I pinpointed the precise location of the Dark Queen. Could you pinpoint a dumpster and burn that diaper? This is the Dark Queen we're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy, I think. But we beat her up, which sent her and I want to say spinning into space. And we can do it again. Who's in? Zitz, pimple, pimple, zitz. Sorry, right? Oui, je joue vraiment à tout. Hein. Ah, je joue vraiment à tout. Hein. J'ai aussi une clé des devs. Donc, voilà, petite découverte de Battletoads. Pipes are frozen. There are train tracks in our living room. No, 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 no. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. But mostly, I'm not certain that I could. Okay, Rash, we're in. Let's go build you a brand new audience. You really mean it? You're damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Donc c'est un stubby des marres, hein, tout simplement, tu vas voir dans quelques instants. On peut passer la cinématique là. On peut passer la cinématique pour se rendre, comme ça je vous laisse découvrir si vous voulez le jeu est disponible sans frais supplémentaires pour les abonnements au Xbox Game Pass déjà. Et vu que c'est pas un let's play qu'on fait, que c'est vraiment une découverte, on n'est pas obligé de réécouter les cinématiques. Aussi belle soit-elle. Je vais montrer un peu de gameplay encore. Hein. C'est l'objectif. Ah bon, bah ça va être un autre niveau là. Ce sera pas un niveau de hack and slash là. Un feeling. Un peu comme le niveau de Turtle in Time sur Super Nintendo. Ouais, exact. Ah, c'est cool ça. Ils ont mis d'autres niveaux là. Yo. D'accord, je peux me tasser rapidement si je le souhaite. D'accord, et si je passe proche, j'ai des points supplémentaires. Ça peut être cool là pour avoir... Ouh. Moi je veux des points supplémentaires là. Oh. J'ai failli mourir là. Ah, j'ai touché. Ouf. Ah putain, c'est pas facile là. Tu me fais rire parce que tu t'éclates, moi. Vraiment, ce genre de jeu ne m'amuse pas du tout. Bah, ça va, hein. Il y a des jeux pires que ça dans la vie. Je veux pas être pire que Fear the Wolf.
On est mort. J'ai réussi à mourir en plus. Ce n'est pas une critique. Hein. Ah, t'inquiète. Oui. Moi, j'allais dire, ce soir, je prends ça relax. En plus, parce que je vais avoir live vraiment de toute la journée, du matin jusqu'au soir, mais... Je dois faire le podcast de Kicks.com ce soir, ça va être beau, ça. Miaou, miaou. Là, vous ne verrez plus jamais les grenouilles de la même façon. Hein. Ça vous dit, hein. Ouh. Ça a été, comment dire, juste... Mais la dernière partie, elle est rough, là. Là, quand même, là. Ah, on arrive à la fin là. Donc il y a plusieurs des niveaux, c'est cool. Il n'y a pas juste du hack and slash là. Hey Battletoads, it's Chet from Chet and Sung's Turbo Back Rentals. My sensors indicate you're driving like a bat out of heck. And dang it, if you don't slow down, I'll have my sons post nasty rumors about you on the galactic internet. They're handsome boys, but they're mean as dirt and itching to embarrass you. Hope it doesn't come to that. Les niveaux semblent assez longs aussi là quand même, là. Ils proposent des niveaux différents, pas juste du hack and slash. C'est cool, ça me rappelle vraiment les Tortues Ninja sur Super Nintendo. Là. On ne verrait plus jamais les grenouilles de la même façon, bah oui. Les grenouilles auront changé. On a perdu Zitz. Oup, 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 oup. D'accord, donc note à moi-même, ne pas me lancer par terre. C'est pas une bonne idée là. J'ai pas touché! Demande une reprise vidéo, s'il vous plaît. Je demande la reprise vidéo sur la dernière action, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec la décision du jeu. Ah, c'est pas de ma faute, là, s'ils sont nuls, là. Ils touchent à tout, là. Mais... Est-ce que ça sent qu'on va recommencer encore, vous croyez? On est mort, les gens. Encore. Sintao, t'as pas le droit de rire. Mais concentrer sur un jeu difficile pour enfants. S'il te plaît. Donc clairement, c'est pas juste destiné aux enfants parce qu'il y a des niveaux de difficulté. Mais si j'arrêterais pas de perdre mes personnages au début de la séquence, peut-être que je ne serais pas mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je serais toujours en vie là. Je vais pogner les nerfs. Aussi, je vais pogner les nerfs sur un jeu cartoon. Je vous dis tout de suite. Hein. Je sais pas si vous aimez les. Pas nécessairement ce genre de niveau, mais les vraiment beat'em all. Et vous avez pas joué à Street of Rage 4, le dernier Street of Rage. Il est court, hein, il se finit en 5-6 heures. Mais il est tellement bon. Moi, je suis un fan de ce genre de jeu. Là. Depuis que je suis jeune. Hein. Pourquoi? Bon, on a juste perdu. Rien dit, on a perdu les deux personnages. Je trouve que la caméra n'est pas toujours évidente de savoir
que notre personnage va avoir une collision, quoi. C'est vraiment pas évident là. Alors ici là. Non. Tout est prévu, hein, si jamais. Je vais vous demander, tout est prévu, il y a absolument. Juste parce que j'étais pas satisfait de mon score, vous comprenez, donc. Donc il fallait que je recommence là, vous comprenez là. Pas satisfait. Bonjour à toi, Métis. J'espère que ça va bien. Demandez-moi pas comment j'ai réussi à passer. Je n'en ai strictement aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'on a encore nos trois personnages. Et qu'on est dans l'espace, qu'on meurt toujours depuis tout à l'heure. Donc déjà, on est mieux parti. Dehors, des murs invisibles. Moi, je suis pour les murs invisibles dans les jeux vidéo. Ah, on a eu un succès. J'ai pas le temps de regarder, mais c'est ça, hein. Ah, j'ai fini une quête. Je l'ai aussi. Ah, cool. Comment tu le trouves, Battletoads? Il se joue en ligne? Je crois que oui. Je suis pas certain. Je sais qu'il joue en coop. Local? Coop en ligne, je sais pas. Et voilà, je vous avais dit que c'était facile. Oh là là, vous avez douté de moi, je suis déçu. Ah, les niveaux sont quand même longs. Hein. Des fois, c'est le bordel. Ouais, ce que je vois. Peut-être le point négatif que je dirais, des fois, c'est le bordel. Et pour le moment, je m'amuse. Et à date, pas un niveau pareil jusqu'à maintenant. Et Battletoads, lorsque j'y jouais, lorsque j'étais jeune, ça date là. Ça date beaucoup là. Des fois, c'est le bordel dans les combats, ouais. On a vu ça tout à l'heure. Je me suis pris le poteau. On a vu ça tout à l'heure. Et là, on est dans ce niveau là, qui est le deuxième niveau à pouvoir en parler, parce qu'on a eu un mini-jeu un peu étrange tout à l'heure. Je sais pas trop à quoi il servait le mini-jeu là, mais bon, on a eu un mini-jeu un peu étrange. Ah, désolé si j'ai l'impression d'être sous quand je parle, mais il faut de la concentration là. Il faut rester concentré. Putain, ça a tellement sauté rapidement là, j'ai le réflexe là, les amis. Parce que ça sautait très rapidement, comme là. Putain, une chance qu'il me reste un personnage. Hein. Ah ouais. Je sais pas comment il s'appelle ce niveau. Je ne pourrais pas le dire. Je connais pas le jeu, hein, c'est une découverte. Donc, j'ai perdu deux de mes crapauds. Voilà, on est si bien de recommencer. Non. Allez, on survit. On essaie de survivre, du moins. Un jeu genre ciseaux, pierre. Non, c'était RB, LB. Je vais faire des touches là. Il joue après un ordinateur et tout ça. C'était pas fameux comme on dit dans le jargon là. Je vais péter ma coche là. Ah, il est long ce mode et finalement il est pas difficile. On n'est pas là au niveau de difficulté le plus difficile, hein, si je me pose la question. On est niveau de difficulté normal. Hop. Ah, pas assez vite là. Solo! Ah! Je regardais le chat moi.
Non, il est pas si facile que ça. Je pensais qu'elle allait être un peu plus facile, mais non, la difficulté est bien présente. Hein. La difficulté est bien présente là. J'ai le Game Pass. Ah oui, bon, moi je suis sur. J'allais jouer sur le Game Pass. J'ai reçu un code des développeurs. Donc c'est pour ça que je le live aujourd'hui. Putain de merde. Non. Excusez. Tout va bien. C'est frustrant par exemple. La caméra, on a la difficulté à savoir si on est vraiment arrivé au bout ou pas là. Ouais, quand on saute là pour les trous là, c'est chiant. Quand on saute pour les trous, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Pourquoi je continue, j'ai déjà perdu un crapaud, je suis peut-être mieux de recommencer au dernier checkpoint déjà, mais bon. Ouf. Checkpoint, putain. Bon, je m'en fous de perdre là, j'ai réussi un checkpoint. Désolé, j'ai vu que j'avais un message en chat, mais j'ai pas le temps de lire. Ah, c'est juste mon Streamlabs. Ah, c'est violent là quand t'as pas le rythme. Hein. Ah! Ah, celui-là là, je me fais avoir à chaque fois. Putain. Checkpoint. D'accord, ça c'est élimination automatique là, ce que je comprends. Checkpoint. Ah, j'ai pas touché là, c'est quoi ça? Mais j'ai pas touché! Je suis pas d'accord là, monsieur l'arbitre là. Ah, c'est violent! Putain, ouais, j'ai vu. J'avais vu ton message en premier. Ouais, moi, c'est juste parce que je suis youtubeur là, c'est pas. De toute façon, j'aurais joué sur le Game Pass. Ouais, non, la caméra là-dessus là, c'est vraiment pas évident là. T'as l'impression d'être placé correctement et finalement, tu l'es pas. C'est un peu chiant, je dois avouer là. Checkpoint. Oh, putain, ça finit jamais ça ou comment on en passe là? Oh,
recommencer, hein, j'ai perdu là parce que j'étais en train de me gratter. Dommage, il est pas en 3D. Ouais, non, effectivement. Bah, je sais pas, ça m'aurait pas dérangé la 2D, mais la 2D un peu plus précise sur ce genre de séquence, j'aurais pas dit non là. Clairement pas là, parce que je me prends des murs alors que j'ai l'impression d'être ok là. C'est pas cool là. Non, mais pourquoi je saute là? J'ai le réflexe de sauter comme un imbécile là. Ah, c'est la première fois qu'on se rend aussi loin. Checkpoint! Je pense qu'il y a pas mal de checkpoints, c'est cool. Ok, si je reste là, en principe, je suis ok là. Pas si on a fini là, mais quand même là. I made my sons delete their posts. The truth is, my business is failing, and if you destroy those turbo bikes, I'm ruined. My sons were too beautiful to learn a real trade. Please, return my bikes. This is Chet from Chet and Sons. What's he so worried about? The bikes look literally the same as when we started this journey. Et on a fini, terminé le niveau en 8 minutes 30 ou moins. On l'a pas eu. Vous voyez qu'il y a des objets, tu fais partie de la recherche du terrible. Ah là là, c'est pas facile comme... c'est clairement pas facile comme... comme jeu, mais c'est vraiment cool. Pour moi, le moment, j'aime bien, on peut revoir les cinématiques et tout. Dans tous les cas, c'était ma découverte de Battletoads. Si vous voulez en savoir plus, ou vous voulez en voir... Dommage, les dialogues sont pas en français. Oui, effectivement. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ceux qui sont sur YouTube. Et on fait une pause le live, pause de 5 minutes, 5 minutes j'en ai besoin. Et ensuite on se rend sur du 21 Jump Click sur du GTA RP. Pour le YouTube, on s'arrête ici, pour le live, on va en pause.